vers la fin de la vidéo, vous allez être capable de classer les plaques lithosphériques. Donc, on va passer du terme continent utilisé en géographie pour parler du terme plaque tectonique utilisé en géologie. Et la géologie nous dit que l'intérieur de la Terre ressemble un peu à un avocat. On trouve un noyau au centre, ensuite une partie plus molle, et ensuite, à la place de la peau, une couche plus rigide, fine, qui s'appelle la lithosphère. La lithosphère qui vient du mot grec, qui signifie couche de roche. Et on a deux types de lithosphère, la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. Et cette lithosphère, elle est fragmentée en plusieurs morceaux qui s'appellent les plaques tectoniques. Comme on le voit sur la carte, même s'ils portent parfois le nom de continent, les plaques ne suivent pas leur contour. Par exemple, la plaque africaine se compose de lithosphère continentale, c'est le continent africain, et de lithosphère océanique qui se trouve sous une partie de l'océan Atlantique. C'est pour ça qu'on l'appelle une plaque océano-continentale. C'est le cas aussi de la plaque d'Amérique du Nord, la plaque d'Amérique du Sud, la plaque eurasiatique, la plaque indo-australienne, la plaque antarctique, etc., etc. De l'autre côté, on a les plaques qui sont constituées uniquement de lithosphère océanique et on les appelle des plaques océaniques. Par exemple, la plaque du Pacifique et la plaque du Nazca. Très bien, donc comme récapitulation, on a deux types de plaques. Donc les plaques lithosphériques, on a le type numéro 1, c'est les plaques océano-continentales. Donc le type numéro 1 des plaques lithosphériques, c'est les plaques océano-continentales. Le deuxième type, c'est les plaques bien la plaque océanique. C'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Pour la vidéo suivante, on va voir la mobilité des plaques, c'est-à-dire est-ce que les plaques bougent et comment elles bougent et comment mesurer la mobilité des plaques. Et on va voir en plus les limites et les types des limites entre les plaques. Merci pour votre attention.